Eh salut tout le monde, devinez qui c'est qui est devant moi. Eh tourne-toi toi. Eh regardez, c'est Audric, Normandie Détection, et moi c'est qui? Eh ben c'est Matt. Eh ben non, on n'est pas mort. Franchement, je suis sûr que vous croyez qu'on était mort, mais on n'est pas mort. Là on est en train de regarder notre spot. Trouver un coin pour essayer de lancer un aimant. Voilà, parce que là on est en train de galérer. On a trouvé un endroit très sympathique. J'ai filmé avec mon téléphone, je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'on avait vu trouver au début. Tiens, je vous le mets maintenant et je vous reprends après. Donc voilà, et puis là du coup on est en train d'aller à un endroit qui est plutôt... Qu'est-ce que t'en penses Audric? C'est pas trop mal hein? Ouais, il y a juste les femmes, ils vont pas trop pouvoir se balader avec la poussette. Ils voulaient se balader mais je pense que ça risque d'être compliqué, à moins d'avoir un 4x4. Mais sinon ça a l'air d'être pas trop mal ici quoi. Eh, on va bien commencer en beauté. Je suis en train de filmer Audric qui est en train de voir si c'est solide. Franchement il tombe à travers, franchement là... J'en rigole. Voilà. Ah bah pourquoi tu vas pas plus loin, hein? Poussez mon gars. Allez, on va aller chercher le matériel. Ouais mais par contre, avant d'aller chercher le matériel, on vous balance l'intro comme d'habitude. Bon bah du coup non, on n'a pas été là parce que c'est une propriété privée. Puis du coup bah Audric il a trouvé un petit endroit sympathique, alors on va aller là-bas. On s'y retrouve, vous allez voir, c'est sous un pont, on va être pas mal. Allez, on se retrouve. Là je pense qu'on est plutôt pas trop mal, regardez en plus on a deux petits pontons là. Franchement, et là on a toute la longueur. On est bien, franchement on est bien. T'en penses quoi Audric? Il y a messieurs les canards en plus. Bah allez, on se prépare et puis on lance le premier aimant. Regardez qui c'est qui est là, c'est Audric. Bon allez, tu nous fais le premier relancé en vidéo ou quoi? Attends que je mette ma corde, puis je le mets sur le ponton. Allez, va sur le ponton, je te filme. On a le temps. On a le temps, on va faire une petite vidéo. Même si elle fait 20 minutes, pour les abonnés, ils vont être contents. Allez, à l'ancienne, avec aimant 360. C'est lequel celui-là d'ailleurs? C'est le Beast. Le Beast. Par contre, je sais pas si t'as regardé depuis le prix des aimants. Oh là là. Oh, Binette. Ça a grimpé ça. Il coûtait 158 euros. L'inflation, il a touché les aimants aussi. 300 maintenant. Hein? 300. Ouais, 3, ouais, c'est n'importe quoi. C'est abusé quand même. Désolé, hein, mais oh, je vais me prendre un aimant moi. Allez, et on se retrouve pour la prochaine trouvaille. Bon, je sais pas ce qu'il est en train de nous faire, mais bon, il est en train de descendre un peu dans l'eau. Ça va? T'es bien là? Ça va. Bon allez, moi je vais sortir le mien. 360, Terror, voilà, à l'ancienne, toujours. Et on change pas les habitudes, toujours, gros consommateur de boissons énergisantes. Ah bah tiens, il y a une petite scène que je vais vous montrer là. Il y a des gens qui sont en train d'arriver. Petite scène sympa. Red Bull, l'abricot fraise, ça va. T'avais bien aimé? À droite hein, dans le coffre. Donc voilà, en canoë, ils sont pas mal, ils ont chaud, ils sont bien. Ouais, il est pas là le flat tube mon ami. Qui se pense? Allez. On a gardé nos habitudes. Alors ici c'est des consommateurs de Henken. Et ouais. Pour les abonnés fidèles qui nous suivent depuis longtemps,
ils savent que voilà. Une petite dédicace à la Miche et à Pete Saxel. T'en as un troisième à faire une dédicace, Audric? Je me rappelle plus qui c'est qu'on a en abonné. Bah Didier. Didier, il est abonné, hein? Ouais, mais Didier, c'est pas ça que je vais lui dédier. Tu vas lui dédier quoi? On verra. On verra. Allez. Bon, pour mon premier lancer, c'est quand même une prise assez impressionnante. Hein. Franchement, c'est un truc de malade. Regardez ce que j'ai pris. Regardez ce que j'ai pris. Alors, attendez, je vais l'enlever. Vous savez ce que c'est ça? C'est dans Fast and Furious? Vous savez les bouteilles de nitro? D'après ce que je vois c'est marqué nitro. Nitro-oxyde. Peut provoquer, contient du gaz sous pression, peut exploser à l'effet de la chaleur. Tenir hors porte. Oh là 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 là. Voilà, ça fera la photo de présentation. Audric, on fait du Fast and Furious après ou quoi? Je sais pas. Allez. On va relancer un coup. Et c'est au bord déjà là, en plus. Bon, après une petite dizaine de minutes de lancer, je fais que de la petite ferraille quoi. Des clous, des capsules. Et c'est un lieu qui a été fréquenté pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on peut trouver des choses sympathiques. Et pour information, dans nos vidéos, on ne dira plus où est-ce qu'on est. Quoi, on en a marre, en fait, avec les flics, les gendarmes, la police de la pêche, là, et les gardes de pêche, c'est bon, qui viennent nous embrouyer toutes les deux minutes parce que on n'a pas le droit, c'est interdit. Bah maintenant, on le fait dans l'anonymat. Plus personne ne sera où que c'est, malheureusement. Sauf ceux qui le reconnaîtront, mais si vous reconnaissez, ça serait sympathique de pas l'écrire dans les commentaires. Merci. Allez, je vais mettre la caméra sur le thorax et puis je vais vous montrer quelques lancers en live au thorax et puis on va aller voir Audric aussi voir ce qui se passe. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, la caméra est pas très propre. Voilà. On est quand même les meilleures vidéos possibles. On a le matos pour faire des bonnes vidéos. Autant l'utiliser correctement. J'espère que notre absence n'a pas été trop longue pour vous les petits abonnés. Et malheureusement, c'est pas très facile parce que j'ai déménagé, je ne suis plus en Normandie et Audric non plus. Donc moi, je suis dans l'Eure et Loire et Audric est du côté de la Bretagne. Allez. Alors, comment ça se passe? Ouais, moi de la canette aussi. Un petit forêt et puis voilà. Et puis... Ah, c'est une petite clé aussi. Ah oui, la petite clé. T'avais une clé toi aussi? Ouais, j'ai mise dans mon sac. Ah. Et les clés, c'est en dédicace à qui? C'est pour Quentin. Tiens. Ah, regardez. Qu'est-ce qui pollue beaucoup nos rivières? Bah, tu pourrais nous la montrer, fumier. Les piles. Ah, regardez en plus. Oh, tu le gardes pas lui? Non. Mais ça va pas ou quoi? Non, mais il est tout raide, il est mort. Et alors? Moi, je les garde, tu te souviens pas? Bah, ma collection de l'heure? Bah alors. Allez, petit lancer en direct. Il va peut-être tomber là-haut en même temps en lançant. Alors, il m'a dit Matt, viens voir, c'est pour toi. Tiens, le avec. Ah oui, oh, excellent, regardez comment il est beau. Ah, il est magnifique celui-là, franchement. Regardez ça. Petite dédicace à tous les pêcheurs. Mais il est pour moi. C'est assez drôle parce qu'on vient de croiser une dame qui nous a dit qu'elle pratiquait. C'est ma caméra qui est là. Oh putain, mon trépied. Audric, j'étais en train de me dire, il y a un truc dans l'eau là. C'est mon trépied. Attendez, je vous reprends tout de suite. Voilà.
C'est déjà arrivé souvent, hein, si vous avez déjà regardé nos anciennes vidéos. Ouais, donc je disais, il y a une dame qui s'est arrêtée et qui nous a dit vous n'allez pas trouver grand chose, je l'ai déjà fait ici. Ah bon? Vous pêchez à l'aimant? Eh oui, elle pêchait à l'aimant, la dame. Elle a arrêté, mais pêche encore. Allez, on reprend. Pouah. Après les capsules, les morceaux de canette de bière. Putain, c'est incroyable quand même. Il y a vraiment de l'ivrogne ici. Hein. Il y a vraiment de l'ivrogne. Au moins, on dépollue. Ça, c'est le cas de le dire. Oh, je crois qu'ils vont se foutre à l'eau là. Regardez. Ah, ça commence des trucs intéressants. Dans la logique, j'ai une vieille pièce de monnaie là, je pense. Oula, attendez, avec la caméra. Sauf qu'elle est dans un sacré état. Ouais, c'est-à-dire une pièce comme les écus ou des trucs comme ça, on voit au niveau de l'épaisseur et tout, et de la couleur. Il va vraiment falloir que je la nettoie quand même. Ouais. Bon, on n'a pas grand-chose pour ici. Et vous savez quoi? Eh ben, on va aller dans un autre spot. Allez, on a ramassé. Faites voir déjà, fais voir, Audric. Voilà, c'est toute la petite. C'est 90% de capsule, quoi. Voilà, donc capsule, la petite merde et tout. T'as pas un bout comme ça. Mais... Je leur ai dit qu'on se déplaçait, qu'on allait sur l'ancien spot où on s'était déjà jarté. Et puis, si on retombe sur le garde-pêche, mais maintenant, on quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on lui dit au garde de pêche? On le balance à la flotte. De toute façon, si on a fait ça, vous le saurez d'après le titre de la vidéo. Hein. Quoique, non, ça sera peut-être une surprise. Si on le met à la flotte, on dira rien. Allez, on se retrouve là-bas. C'est parti. Bon, c'est pas exactement où que je vous avais dit. Le seul problème, c'est qu'on a été, mais c'est bourré de monde. Blindé de monde, blindé de pêcheurs. Là, c'est sûr qu'on mettra pas de temps à se faire virer. Donc, on a trouvé ici. Et franchement, ça m'a l'air plutôt sympathique. Ouais, là franchement, ouais, ça promet. Ça promet. L'autre côté, c'est une décharge complète. Je vais vous montrer la décharge que c'est. C'est un genre de barrage là. Là, je vais vous montrer que là. Regardez-moi ça. Là, c'est bien dégueulasse. Hein. Ah ouais. Ça, c'est de l'eau. Hein. On voit pas trop, mais il y a beaucoup de nénuphars. Pas de nénuphars, mais beaucoup de merde quoi. Mais... Ah, il y a même un ponton là-bas, non? Là, on va essayer. Allez. Allez, je vous laisse sous cette vue-là. Audric, il a quelque chose au bout de son aimant. C'est pas un gros truc, mais c'est en grosse quantité. Il va falloir des gants pour enlever tout ça, je crois. Une cuillère à soupe. On l'avait pas, celle-là, dans notre collection. Oh. Alors, Audric, il a un truc super lourd là-bas, et moi aussi. Ah, oh, regarde. Qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive. C'est un espèce de... Il a tombé. C'est un plot en... Un poteau avec le plot en béton. Ah, un poteau avec un morceau de béton. Hein. Ta vache. Comment? Ça fait longtemps que j'ai pas pris une remontée au-dessus du... Ah oui. Que j'ai pas fait une remontée au-dessus de... Comme ça, au-dessus des barrières, comme à Ponton de Mer ou au Mans, tu vois. Ouais. Au-dessus des ponts. Je n'en ai pas là. Ah ouais, c'est compliqué, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, attends. Oh punaise. Dommage. Retente ta chance. C'est trop beau. Excellent, regardez. C'est dur la pêche à l'aimant de nos jours. C'est dur la pêche à l'aimant de nos jours. Une canne, allez. Ah oui, une canne, oui. Voilà. J'étais balèze à sortir, sûr. Voilà, un gros truc de sortie. Alors, l'aimant est bloqué. Ils sont obligés d'aller sous un autre angle pour tirer. Ils sont là-bas. Ça devrait le faire. Là. Là, ils sont là. On va filmer, ils sont en train de tirer. Alors, il est là, on va voir s'ils arrivent à le sortir. Ils sont à 3 hein, là-bas quand même. Attention, attention.
Il change encore d'endroit parce qu'il faut pas qu'il tombe. Et là, il retire. Alors, on continue. Ils sont encore là. Donc, Audric est en train de s'arnacher. Et il tire. Alors, je vois pas que ça bouge. Espérons qu'ils vont réussir. Une belle bite de merde, tiens. Bon, on est dans une merde pas possible, complètement bloqué, entièrement bloqué, et puis bah là, bah, Audric il va avoir une solution, c'est de sauter quoi, il n'y a pas d'autre solution. Il y a combien? Ouais. Un mètre quoi, un mètre de fond. Si on court, attends, je vais juste voir un truc. De toute façon, je vais à la faute. Ouais. Ouais. Bienvenue sur Ninja Warrior. Aujourd'hui, nous avons Audric. Audric, 29. T'as quel âge? Non, t'as 30. Voilà. Audric, 30 ans. Aujourd'hui, il va affronter l'épreuve. Hein. Ouais. Je vais pas dire ça, mais. Ah merde, il a 31. 32, ouais, bah c'est bon, je suis en train de faire la bande annonce de... Allez, on recommence. Bienvenue sur Ninja Warrior. Aujourd'hui, nous avons Audric, 32 ans, originaire de Honfleur. Il va se jeter à l'eau pour affronter... Rennes. Non, mais origine. Rennes. On s'en fout. Rennes, allez, on s'en fout. Natif de Honfleur et habitant de Rennes, va aujourd'hui se mettre à la flotte pour aller décrocher les aimants. L'eau est glaciale. Va-t-il arriver à affronter ceci? Réponse dans quelques instants. Bon, déjà pour commencer, il essaie de trouver un endroit où descendre dans l'eau. Là, il a l'air d'avoir trouvé. Ça fait bien longtemps. Hein. Punaise. Elle est froide. Hein. Il y a un truc qui gobe le pied. Et on est sur Ninja Warrior, on n'est pas sur Koh-Lanta là. Bah, on... non, ça va, je te laisse. Hein. T'es déjà assez courageux comme ça. Moi, je suis pas courageux. Je sais pas nager en tout cas, donc voilà. Ah, je voyais plus profond, tu vois, à la base. Allez, on va se retrouver là-haut pour filmer. T'as pas un pied? T'as pied là? Attends, y a une autre côte. C'est quoi? C'est des caillasses, mec. Ah, c'est des caillasses. Wow. On monte là, la tienne, bébé. Ouais, déjà, premier aimant récupéré. T'as trop serré. Allez, tentative pour la deuxième. Et bah pour cette nouvelle vidéo, elle est plutôt mouvementée. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Il a carrément plongé. Il a carrément plongé. Oh là 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 là. C'est bon ou pas? On l'a coincé? Trois rochers. Ouais. C'est bon, il est au-dessus. Oh là là là. Ça va, c'est que j'arrive à voir les choses. Ouais. Tu veux que je descende? Tu veux que je vienne t'aider ou pas? Hein? S'il faut descendre, non, on va y aller. Hein. Parce que moi, au pire, je me prends sous vêtements, j'en ai rien à battre. Ah non, mais moi, je descends, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est bon? C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ah là là. Tu veux que je vienne? Ah. Tu veux que je vienne? Pour l'instant, c'est pour l'instant, ça sert à rien. Bébé, tends la corde. Tends la corde.
Normalement, prochaine plongée, j'arrive à sortir parce que Pauline s'est déshabillée pour aller à l'eau, mais il n'y a peut-être pas forcément besoin. Allez, nouvelle tentative d'Audric, la cinquième. Logiquement, il a dit que c'était la bonne. C'est bon ou pas? Hein? C'est bon ou pas? Ah! Il a trouvé un bouchon de pêche. Hein? Non, c'est toujours pas. Il y a le renfort qui arrive là-bas, il y a Pauline. Elle est gelée. Oh putain l'enculé. Il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, oui, qu'il est rangé. Il y a rocher. Il est à l'envers collé. Oh là pff. Aïe. Ah oui, d'accord, ok. Là, je suis sur un rocher debout. Ok. Il ne veut pas venir. Pourquoi? Donc on a Pauline qui vient de plonger. Pour essayer de venir en renfort, pour essayer de débloquer les mains. Ah c'est la galère. Bon ça fait une petite demi-heure qu'on y est, très compliqué quoi. On n'arrive pas à le décoincer, on n'a aucune solution, on essaye encore. Bon, on n'a pas réussi à le récupérer, dernière chance, on va le tirer carrément à l'opposé. Parce qu'il est coincé entre trois gros cailloux et il y a un gros morceau de métal en fait. Oh là là, la bonne nouvelle, on n'a pas filmé, mais on l'a tiré de là, c'est bon du coup, il est débloqué. Ça se trouve, fallait faire ça depuis le départ. On l'a tiré, on l'a bougé quand même. Oh punaise. Heureux, Audric? Bah, tu peux pas, voilà. Regarde. Ah, bah en c'est plus, ça regardez. Qui me l'a coincé. Il était cadenassé. Bah tiens, regarde le cadenas, mine de rien. Ouais. Oh putain. Ah, il est beau. Regardez ça. En plus, il fonctionne, ça se trouve. La classe. Regardez. Le petit cadenas qu'on a trouvé. Bah impeccable. On a gagné un cadenas en plus. Bon, sur ce, je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Hein. T'as des petits shoots chez toi? Ouais. Ouais. Bah dans la Grimbergen, un petit shoot de whisky. T'en as bien besoin. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Un peu sportif. Ouais, sportive. Hein, Pauline? C'était une sacrée vidéo, hein. On n'est pas revenu pour rien là. J'espère que vous avez apprécié, surtout vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Attendez, et. La blâme a dédicace pour Didier, qui m'a tué, qui fout sa gueule quand il se coince sous les ponts. Et bah là, c'était nous. Là, bonne fois. J'ai ouvert les yeux dans l'eau, vous voyez. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. A bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Et on se retrouve pour la prochaine. Mathieu, attendez. Oui, c'est vrai, Pauline. Attendez, j'étais en train de couper, mais j'allais oublier mon aimant. J'allais me barrer sans mon aimant. Oh, le con. Bon, Adric, je te fais des petites pina coladas en arrivant. Oh bah, pina colada, bière, whisky, tout ce que tu veux, là. On est parti, allez. Ouais. Pauline, sous ça, elle est toute nue. Vidéo suite sur YouPorn. Bienvenue sur youporn.com. Regardez, Audrey commence à nous faire le striptease. Je crois qu'on va s'arrêter. Ah, on va s'arrêter maintenant. Je crois que... Et Audrey, ouais. Pour te récompenser, franchement, voici le cadenas. C'est le cadenas du bonheur. Franchement, c'était pas du bonheur cette pêche. Ce que vous allez voir là, c'est des scènes après la pêche à l'aimant. Ouais. Petite pina colada, Audric. Allez, tiens, pina maison, en train de dire ce que t'en penses. Mec. Bye. Dis au revoir. Salut.
Audric, t'as vu l'heure? Ah, il est toi, la pêche. On nous attend. Attends, j'ai un moyen simple. Voilà. Mets-toi à côté de moi. À 3, on saute. Et tu auras 1, 2, 3. Je suis changé. Ouais. Regarde, je suis équipé, j'ai la caméra. Ah, même le plastique, il est gonflé.